These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. It's morning. Robert gets up, orders breakfast, and sets out to explore Paris. He visits an open-air market near his hotel, then crosses the Seine to the right bank. He ends up at a restaurant, where he is distracted by a scene between a fussy customer and a hapless waiter. Il est 8 heures du matin. Robert se réveille. C'est samedi, le 2 juin. Robert se lève. Il regarde par la fenêtre, il s'étire, il bâille, il prend une douche, il se rase, il se coupe, il se brosse les dents, il se brosse les cheveux, il se coupe les ongles et il commande son petit déjeuner. Allô? Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Thé, café ou chocolat? Thé. Ah non, non, excusez-moi. Café. Un café au lait, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, un café au lait complet, chambre 27. Tout de suite, monsieur, on vous l'apporte. Il finit de s'habiller. On frappe. Oui, tout de suite. Bonjour, monsieur. Voilà, bon appétit. Merci. Robert va déjeuner sur le balcon. Il se sert de café avec du lait. Ah, où est la petite cuillère? Ah, la voilà. Un morceau de sucre. Il mange son croissant. Est-ce qu'il va manger aussi son pain? Eh, on dirait que oui. Alors pourquoi pas? Il a l'air bon. Avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que c'est que ça? De la confiture de Mireille? Ah non, de la confiture de Mirabelle! Il prend son temps. Il n'est pas pressé. Il n'a rien à faire. Il a des loisirs. C'est agréable d'avoir des loisirs. Il va se promener dans Paris. Il passe devant une boulangerie. Ah, ces croissants, ces brioches, ça a l'air bon. Mais voyons, Robert, tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Tu n'as pas faim, tu viens de déjeuner. Il continue sa promenade. Au revoir. Il passe devant les arènes de Lutèce.
puis devant la mosquée de Paris. L'île Saint-Louis. Il marche, il commence à avoir faim. Il achète un croque-monsieur. Un croque-monsieur, s'il vous plaît. Voilà, 9 francs. Oh là là, 500 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Ah non, je n'ai pas du tout de monnaie. Oui. Patrick, tu as de la monnaie de 500 francs? Ouais, je crois. 50, 50-100, 200, 300, 400 et 500. Merci. Ensuite, il découvre la place des Vosges, les vieux hôtels du Marais, la synagogue. Et il finit par entrer dans un petit restaurant. Il a encore faim? Bonjour, monsieur. Vous prendrez un apéritif? Non, merci. Garçon! Garçon! Allez me chercher un autre verre. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Garçon! Garçon! Apportez-moi une fourchette propre. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. Et changez-moi cette assiette, elle est sale. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? Mais c'est incroyable! Et regardez-moi cette serviette, elle est toute déchirée, la nappe aussi. Oh. Vous m'apporterez une tête de veau. Je suis désolée, madame, il n'y en a plus. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau? Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau. C'était la dernière, il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Je ne veux pas de pied de porc, je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. La moutarde, elle me monte au nez. Bien, vous m'apporterez une côtelette de mouton. Bien, madame, une côtelette d'agneau. Une côtelette d'agneau, une côtelette de mouton, ça m'est égal, c'est pareil. Et à point. Bien, madame. Garçon, vous allez me rapporter cette côtelette à la cuisine. Elle n'est pas cuite. Je vous avais dit à point. Regardez-moi ça. Elle est complètement crue à l'intérieur. C'est incroyable. Et puis, vous m'apporterez un autre couteau. Celui-ci ne coupe pas. Voilà votre côtelette, madame. J'espère que cette fois, elle sera assez cuite pour vous. Assez cuite? Mais elle est carbonisée, votre côtelette. C'est du charbon. Et remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais. Ça sort tout droit de la boîte, ça. C'est de la conserve. C'est tout ce que vous avez comme fromage. Votre brie est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. Votre brie est trop frais et votre camembert trop fait. Il pue, c'est une infection. Et puis, apportez-moi du pain frais. Celui-ci était frais il y a 8 jours. Regardez. Il est dur comme de la pierre. Ah.
Je ne suis pas rouspéteuse. Mais il y a des limites. Aujourd'hui, nous avons quatre scènes principales. Robert se lève. Robert prend son petit déjeuner. Robert se promène dans un marché. Et Robert voit une dame un peu excentrique dans un restaurant. Bon, d'abord, Robert se réveille. Il la réveille. Elle se réveille. Robert se lève. Il se lave. Attention. Il se lève. Il se lave. Il se lève. Et lui, il se lave. Regardez bien maintenant. Il se lève ou il se lave ? Il se lève. Et ici ? Il se lave. Bon, il se lave. Il se douche. Il prend une douche. Une douche. Il se rase. Il se rase. En se rasant, il se coupe. Il se coupe les ongles. Et lui, il s'est coupé les doigts. Il se brosse les dents. N'oubliez pas qu'il faut vous brosser les dents. Il se brosse les cheveux. Elle se brosse les cheveux. Il se réveille, il se lève, il se lave, il se rase, il se coupe. Ce sont tous des verbes réfléchis. Maintenant, observez ceci. Il se coupe les ongles. Il se brosse les dents. Il se brosse les cheveux. Notez l'article défini. Maintenant, Robert prend son petit déjeuner. Il a le choix entre du thé. Tiens, ton thé, papa. Oh, oh, le petit déjeuner. Du chocolat ou du café. Il choisit le café au lait. Il mange un croissant et puis il mange un morceau de pain avec du beurre et de la confiture. De la confiture de Mireille, qu'est-ce que c'est que ça? Mireille? Ah non, c'est Mirabelle, de la confiture de Mirabelle. Voilà le petit déjeuner de Robert. En général, qu'est-ce que vous prenez pour votre petit déjeuner? Des croissants, du café. Du café noir? Non, café au lait. Du café. Beaucoup de café, rien que du café. Vous mangez quelque chose? C'est très rare. En ce moment, je prendrai un yogourt, un fruit et un morceau de pain. Le luxe, c'est le petit déjeuner au lit. Tiens, ton thé, papa. Oh, oh, le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, Robert va se promener rue Mouffetard, une petite rue très animée à l'heure du marché. Il y a des tas de fruits, des raisins, des pommes, des framboises, des cerises, des fraises. Il y a des tas de légumes, des haricots blancs, des haricots verts, des champignons. Les champignons aussi, c'est un légume. Des tomates, des pommes de terre. Parce qu'il y a des pommes qui sont des fruits et des pommes de terre qui sont des légumes. Il y a aussi des salades. Il y a toutes sortes de viandes. De la viande de bœuf, de la viande de mouton ou d'agneau, des côtelettes, de la viande de veau, de la tête de veau, des pieds de veau, des pieds de porc. En France, on mange de la viande de bœuf, de la viande de veau, de la viande de mouton ou d'agneau, de la viande de porc, et aussi du poulet, du lapin, et aussi beaucoup de poissons. Et des fromages, du camembert, du brie, du chèvre, du roquefort, du cantal. Le soir, Robert entre dans un restaurant pour dîner. Il remarque une cliente qui rouspète tout le temps. Vous la connaissez? Vous la reconnaissez? C'est Tante Georgette. Mais Robert, lui, ne la connaît pas. Elle rouspète parce que son verre n'est pas propre. Il est plein de rouge à lèvres. Garçon! Garçon!
Allez me chercher un autre verre. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Vous vous rappelez des verres? Un verre. Sur le verre de Tante Georgette, il y a du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres partout. Elle rouspète parce que sa fourchette n'est pas propre. Elle est pleine de jaune d'œuf. Garçon! Garçon! Apportez-moi une fourchette propre. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. Tenez, regardez Marie-Laure ici. Ouh là là, tu es belle, t'es pleine de confiture. Oh là là, tu ne peux pas aller travailler ailleurs. Regarde-moi ça, la table est pleine de livres. Puis Tante Georgette rouspète parce que son assiette est sale. Et changez-moi cette assiette, elle est sale. Passez-moi votre assiette, Tante. Le verre est sale, la fourchette est sale, l'assiette est sale, toute la vaisselle est sale. Pourquoi est-ce que la vaisselle est sale? On ne lave plus la vaisselle dans ce restaurant? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? Mais c'est incroyable! Il faut laver la vaisselle. Eh oui, il faut toujours laver la vaisselle. Tante Georgette rouspète aussi parce que la nappe et sa serviette sont déchirées. Et regardez-moi cette serviette, elle est toute déchirée, la nappe aussi. Oh. Sur la table, il y a une nappe. Et puis il y a aussi une serviette pour s'essuyer. Mais la nappe et la serviette sont déchirées. Tenez, regardez cette feuille. Maintenant, elle n'est pas déchirée, mais maintenant, je la déchire. Elle est déchirée. C'est le verbe déchirer. Déchirer. Déchirer devant moi, je veux tout voir. Déchirer, maintenant. Allez, vite. Allez, encore. Allez, oui, encore. Un tout petit morceau, un tout petit morceau, encore. Allez, encore. Il déchire un magazine. Puis Tante Georgette rouspète parce qu'elle veut de la tête de veau et il n'y en a plus. Elle veut de la tête de veau. De la tête de veau. La tête de veau. Oui, c'est bon la tête de veau. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus à la cuisine. Tante Georgette commence à perdre patience. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau? Le garçon propose un pied de porc. C'est bon, le pied de porc. Ou alors du lapin. Du lapin? Oui, du lapin à la moutarde. Du lapin avec une sauce à la moutarde. Mais Tante Georgette ne veut pas de lapin à la moutarde. Elle perd patience. La moutarde, elle me monte au nez. Elle n'est pas contente du tout. Elle va exploser. Tenez, regardez Tante Georgette ici. La moutarde lui monte vraiment au nez. Maintenant, regardez Marie-Laure. La moutarde va lui monter au nez. Hé, hey, rends-moi mes boules de gomme. Quelle boule de gomme? Je n'ai jamais vu de boule de gomme. Allez, ne fais pas l'idiote, rends-moi mes boules de gomme. Il y a des boules de gomme ici? Pas possible. Allez, sois sérieuse. Maintenant, regardez bien. La moutarde va lui monter au nez. Ah, la moutarde me monte au nez. Rends-moi mes boules de gomme. Tu entends? Rends-moi mes boules de gomme. Hé, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Rends-les-moi. Maintenant, à vous. Vous allez parler. Vous êtes Tante Georgette et vous commandez de la tête de veau. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau. C'était la dernière, madame. Il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Je ne veux pas de pied de porc. Je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. La moutarde, elle me monte au nez, hein. À vous, maintenant. Je suis désolé, madame. Il n'y a plus de tête de veau. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau? Quoi? Il n'y a plus de tête de veau? Quoi? Il n'y a plus de tête de veau? Non, madame, je regrette. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau? Et ce monsieur-là,
qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau? Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau? C'était la dernière. Il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de porc. Je ne veux pas de pied de porc. Je veux de la tête de veau. Je ne veux pas de pied de porc. Je veux de la tête de veau. Je ne veux pas de pied de porc. Je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à la moutarde est très bien. La moutarde, elle me monte au nez. La moutarde, elle me monte au nez. La moutarde, elle me monte au nez. Tante Georgette commande une côtelette de mouton à point. Elle ne veut pas une côtelette crue, bien sûr. Elle ne veut pas une côtelette carbonisée non plus. Non, elle veut une côtelette bien cuite. Pas trop cuite, mais assez cuite. À point, quoi. Regardez cette côtelette. Est-ce qu'elle est à point? Non, elle est carbonisée. C'est du charbon. Du charbon. Et puis, tante Georgette rouspète parce que son couteau ne coupe pas. Et puis, vous m'apporterez un autre couteau. Celui-ci ne coupe pas. Le couteau de tante Georgette ne coupe pas. Mais celui-ci coupe bien. Puis tante Georgette rouspète parce que les petits pois ne sont pas frais. Ce sont des petits pois de conserve. Et puis, remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais, c'est de la conserve, ça. Ça sort tout droit de la boîte. Voilà, des petits pois frais. Ça, ce sont des petits pois de conserve. Une boîte de conserve. Et puis, tante Georgette rouspète parce que le brie est trop frais et le camembert est trop fait. Votre brie est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. Un bon fromage doit être un peu frais. Quand le fromage est trop frais, il n'est pas bon. Il est dur. C'est comme de la craie. La craie, la craie. Vous savez, la craie. La craie. La craie, c'est dur, hein. C'est dur, ce n'est pas bon. Quand le fromage est trop fait, il n'est pas bon non plus. Il sent mauvais, il pue. Regardez, ce camembert est trop fait. Il est trop vieux. Il sent mauvais. Il est trop fait. Le camembert est trop fait et le pain n'est pas frais. Il est dur comme de la pierre. Et puis, apportez-moi du pain frais. Celui-ci était frais il y a 8 jours. Regardez, il est dur comme de la pierre. Il est dur, dur comme de la pierre. Hein? La pierre, c'est dur. Tante Georgette n'est pas rouspéteuse, non, 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 non. Normalement, elle ne rouspète pas. Mais là, là, elle est obligée de rouspéter. Hein? Il y a trop de raisons. Quand il n'y a qu'une ou deux choses qui ne vont pas, bon, ce n'est pas grave. Mais là, il y a trop de choses qui ne vont pas. C'est trop, c'est trop. Ça dépasse les limites. Tenez, regardez Marie-Laure ici. Elle aussi, elle rouspète parce qu'elle trouve qu'elle a trop de travail. Ça dépasse les limites. Pff, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol des devoirs et des leçons. Tiens, je vais aller faire un tour au Luxembourg, histoire de me changer d'air. Marie-Laure, tu ne travailles pas? Elle est bien bonne, celle-là. La moutarde lui montonnait. Je me suis tapé un devoir de français, un devoir de maths, une leçon d'histoire, une leçon de géographie, et je ne travaille pas. Il y a des limites. C'est trop. Il y a des limites. Bon, maintenant, écoutez, regardez, réfléchissez et parlez. Regardez Robert. Il se lève ou il se lave? Il se lève. Et ici? Il se lave. Qu'est-ce qu'il prend pour son petit déjeuner? Du thé, du chocolat ou du café au lait? Du café au lait. Qu'est-ce qu'il mange ici? Un croissant ou un morceau de pain? Un morceau de pain. Où est-ce qu'il s'est arrêté ici? Devant un marchand de légumes ou un marchand de poissons? Devant un marchand de légumes.
Et ici, il s'est arrêté devant un marchand de légumes ou un marchand de poissons? Devant un marchand de poissons. Et ça, c'est un boucher ou une marchande de poissons? Une marchande de poissons. Et ça, c'est un charcutier ou un marchand de fromage? Un marchand de fromage. Regardez ce verre. Il est plein de rouge à lèvres ou de jaune d'œuf? Il est plein de rouge à lèvres. Alors là, attention, ça devient très difficile. Regardez bien. Est-ce que c'est du lapin à la moutarde ou de la tête de veau? Il faut deviner. Qu'est-ce que vous pariez? De la tête de veau? Oui, vous avez raison, c'est de la tête de veau. Et d'après vous, cette côtelette est crue, à point ou carbonisée? Elle est à point. Et ce fromage-là, il est trop frais ou trop fait? Il est trop fait. Et ce pain, il est dur ou frais? Il est dur comme de la pierre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donnez-moi un poulet Mireille. Il n'y a plus de poulet Mireille, monsieur Guignol, c'est fini. Alors, tête de veau? Il n'y en a plus à la cuisine, c'est fini. Un pied de porc? Il n'y en a plus. Une côtelette de mouton? Non, je vous dis, c'est fini. Un lapin à la moutarde? Non. Ah, la moutarde, elle me montonnait, la moutarde. Calmez-vous, c'est fini.